Des indices européens dans le rouge ce mardi en fin de séance. Les investisseurs ont réagi avec prudence après le limogeage du secrétaire d'État américain par Donald Trump. Rex Tillerson sera remplacé par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo, partisan d'une ligne dure face à l'Iran. Ainsi, à la clôture des marchés parisiens, le Stoxx 600 perdait 0,4% à 377 points. À Londres, le FTSE reculait de 0,7% à 7165 points. À Francfort, le DAX, lui, perdait 0,62% à 12341 points. Enfin, de son côté, le CAC 40 reculait de 0,3% à 5270 points. Du côté des plus fortes hausses sur l'indice parisien à la clôture, nous avions ArcelorMittal plus 1,35% à 26,56 € et Total plus 0,7% à 46,91 €. En revanche, à la baisse, Veolia Environnement moins 2,29% à 19,45 € et ST Microelectronics moins 1,95% à 19,61 €. Sur le marché des changes, pour finir à la clôture de Paris, 1 € valait 1,2374 $ et 1 $ s'échangeait pour 106 yens 85. À la bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain.